Bonjour à tous, c'est Anako et j'espère qu'avec cette canicule vous êtes toujours vivants. En tout cas moi oui, et j'ai décidé de vous faire découvrir un let's play sur le célèbre manga de Fairy Tail. Et oui, il est sorti depuis le 30 juillet sur Nintendo Switch, sur PS4 et sur le PC. Et d'ailleurs moi, je vais vous faire découvrir sur mon PC. C'est parti! Alors, Fairy Tail, appuyez sur un bouton basé sur le manga Fairy Tail de Hiro Mashiba. Alors, je vais en paramètres peut-être de deux. Alors, je vais mettre en mode. Ok, donc c'est normal, je pense. Que... Ouais, normal, c'est bon. Voilà. Nouvelle partie. と妖精のたわむれ、俺にて襲撃。どれどれ、少し遊んでやろうか。三代目フェアリーテイル、来るがよい。マカロフの子らよ。 Waouh, on plonge directement dans le conflit avec Hermès. Tu vas goûter à la puissance de Fairy Tail, c'est là-dessus. Alors, magie. Bon, moi j'ai que cette option de toute façon. Hop, magie. Alors, je peux visiblement pas sélectionner toutes les attaques. Point d'acier du dragon de feu. Ah, c'est un jeu de stratégie. Hop. Ah oui, quand même. Alors c'est vous les enfants de Makarov, allez-y. Détruisons les tous. Oh Grey, nos faces, allez. Alors, Excalibur de glace. De toute façon, j'ai l'impression que les autres attaques sont bloquées pour le moment. Donc j'ai plus qu'à utiliser sa point de glace. De toute façon, que lui, sa spécialité, c'était la glace. Alors Lucie, invoquer la Vierge. Lucie a la spécialité d'invoquer tous les signes astrologiques. Là, c'est la guerre. Je vais protéger Fairy Tail. Fierza. Épée photonique. Bon, bah, j'ai que ça. Hop, c'est parti. Épée photonique. Ah, c'est vraiment stylé. Hein. Ça respecte vraiment bien les décors et l'ambiance de Fairy Tail. Il y a un torticolis. Oula! Oh non, Wendy! Non! La pauvre! C'est un lâche, elle a attaqué la plus petite. Ah, t'as tout le monde qui s'énerve. Il y a pas ce que tu fais, je sais pas. Ils sont tous KO. Oh non, Natsu. Ah, c'est toi l'ennemi du vieux. Ok. Hades, ça suffit, il disparaît. Une boule de feu là, bim. C'était une boule électrique. Lexus, c'est lui l'ennemi de grand-père. Lexus ? Toi, tu es du même sang que Makarov ? Je voulais visiter la tombe du premier maître, je n'imaginais pas rencontrer le second. Et si le personnage ? C'est que c'est profite-en pour creuser ta tombe et dresser tes funérailles. Ha 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 ha, je danse avec la magie.
Alors, voyons voir ses attaques. Ah, cool! Rising Volt. Alors, ah, du coup, j'ai l'impression que j'ai plusieurs sélections à faire sur les cases, ah, sur les cases d'attaque. Ok. Bah! Ça inflige plein de dégâts. Vision du démon. Ce cercle magique est gênant. Alors, en magie. Peut-être que je pourrais sélectionner autre chose. Mâchoire du dragon de la foudre. Lance du dragon foudroyant. Point d'acier du dragon foudroyant. Hurlement du dragon foudroyant. Raising Wolf, c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Point d'acier du dragon foudroyant, tiens. Sur Hadès. Ah oui, du coup, ça ne sélectionne que toute cette puissance sur une seule case. Sur une seule case, c'est pas lui-même. Okay. Plusieurs ennemis. On va choisir autre chose. Lancer du dragon foudroyant. Ah, voilà. Donc là. Là, il y a des cercles magiques. Donc, on va faire ça.雷を食べた。ラクサス、自分の魔力を夏に。ギルドの受けた痛みはギルドが返せ。100倍でな。 来年に100倍返しだ。 Tu as osé t'en prendre à notre guild? Disparais! Ne laisserai plus en faire à ta guild. Ne te laisserai plus faire à ta guild. Ah tiens, on a plus de choix cette fois-ci. Hurlement du dragon de feu. La décharge de lotus. Pourquoi? Tire du dragon. La décharge de lotus. Oh, tiens. Et bim, on va aller là. Ah, ça fait pas mal de dégâts, je sais pas. Aïe! Elle a fait à la Mortal Kombat. Come over here! Hurlement du dragon, je suis foudroyant. Une bonne chose de fait. La magie est complètement épuisée. Quand il se donne toujours à fond. Combat. Ils en sont devenus depuis que j'ai commencé et ce fut un vrai jeu d'enfant de tout mettre en place. Enfin, mais je dois vous remercier de me divertir autant, ce salaud. Comment? Il n'a eu aucun effet, ça n'a eu aucun effet. Œil du démon, ouvre-toi. Rien que pour vous, voici la magie de l'abyssé. Cela dépasse de loin tout ce que vous avez pu imaginer. C'est la fin pour vous, Fairy Tail. La magie de l'abysse? Quelle est cette magie? C'est la voie qui mène au tréfonds des ténèbres. Là se trouve la magie unique et brillante dans l'abysse. Je suis tout proche d'en prendre possession, mais je dois encore persévérer.
c'est stylé, hein. Dans ses profondeurs se trouve l'empire de la magie. C'est là qu'il vit, Zelef. Cette nuit, le monde changera lorsqu'il se réveillera, et je tiendrai toujours compte de cette magie unique. Erza, de la magie unique? Vous ne pouvez entrer dans l'empire de la magie, vous manquez de courage pour suivre la voie de la vie. Ok. J'ai peur. J'ai peur, c'est la fin. N'importe quoi. Regarde combien d'amis tu as autour de toi. Nous connaissons déjà nos faiblesses, alors que reste-t-il à faire? L'abandonne jamais, lui. Devenir plus fort, faire face. Si l'on était seul, on serait peut-être apeuré, mais on est tous là. Y a rien à craindre, on n'est pas seul. Allez, ça a donné du courage aux autres. Ouais. Erza, aux côtés de nos camarades, il n'y a aucune crainte à avoir. On n'abandonnera jamais. C'est ça, Fairy Tail. On va gagner. Dans les lignes souterraines. Oula, nous avons... Aïe aïe. Bon, va falloir riposter. J'ai des camarades. Épée, alors qu'est-ce que je pourrais... Éclair de lune. Non, épée tonique, c'est bien. Comme ça. On met 3 cases de devant du menu. Non. Alors, sert du dragon céleste. Voilà, hurlement du dragon céleste. Oui, on voit les zones en dessous, les PM et les pouvoirs. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on voit vraiment les dégâts qu'on a apportés sur quelle zone, case de, d'action. Ça c'est vraiment pas mal. Alors, t'abandonnes. Excalibur des glaces. Celui-là. De toute façon, il reste plus que les ennemis et on voit que Erza et Natsu avaient déjà fait des points d'action dessus précédemment. Et ça, c'est top. On sait qui a infligé des dégâts précédemment. Elle va m'invoquer. Alors, point PM et pouvoir de magie. Invoquer. Capricorne. Mais d'après les calculs, hop, moi aussi je calcule mes coups. Épée, lame de pentagramme, éclair de lune. Éclair de lune. Wendy. Ah, attention, il y a une attaque spéciale, RB. On va voir ça, qu'est-ce que ça fait. C'est parti. Bim. Ok. Ah, c'est cool ça, tout le monde attaque. Toute la team est là. Enchaînement. Enchaînement. Combo d'attaque. Bim, on l'a explosé. Avec ça. Je perds. Comment ai-je pu perdre contre Makarov? La victoire est à nous. Non! Le démon en moi ne pourra se reposer que le jour où il sera au summum de sa magie. Non! Allez, Fairy Tail! Nouvelle technique secrète du chanteur de dragon! Décharge du Lotus Foot! Oh. On est épuisé. Tu n'es pas de taille face à notre guide. On a réussi. Yeah!
Alain, qu'est-ce que tu dis de ça? Ha. C'est terminé. Ah. Nous l'avons vaincu! Bien joué, tout le monde! Le petit Makarov! Le petit Makarov est là! Le vieux! Et vous tous! C'est trop marrant ce personnage. Pourquoi as-tu sombré dans les ténèbres? Je te l'ai dit, la magie est ténèbre. C'est le miracle qui met les ténèbres qu'on a appelé magie. Quand j'ai quitté la guilde, c'est en explorant la voie du démon que j'ai compris la nature des choses. Pour finalement atteindre la magie unique. Même si tu la découvrais, ça ne changerait rien. La magie ne peut être ténèbre comme tu le dis, mais elle peut aussi être lumière. Elle est vivante, son rôle change avec les époques et elle grandit avec nous. Fairy Tail vit librement avec elle. Tout cela, c'est toi qui me l'as appris. Se trouver nez à nez avec le deuxième maître alors que nous cherchions la tombe du premier, c'est sûrement le destin. D'ailleurs, le rang S. Le rang S. Laisse-moi repasser l'examen, le vieux. Je veux devenir en S. Mais arrête un peu. C'est pas le moment pour ça. Lucie a raison. Tu pourras repasser l'examen une autre fois. Maintenant, c'est l'heure de se reposer. Je suis de retour au camp. Alors, commande de terrain. Vous pouvez vous déplacer sur le terrain avec elle, appuyer sur RB, vous pouvez courir, vous pouvez également utiliser R pour regarder aux alentours. Et voilà, donc c'est la fonctionnalité. Vous pouvez accéder à tout moment à une description du jeu de camp. Ok. Bon, bah voilà. Et pour revenir ici un moment. Dans le mode histoire, vous pouvez parler aux autres donc personnages pour faire grandir la guilde. La prochaine mission est effectuer sa fuite en haut, d'accord. Sur l'île de Tenro. Allez, je parle au petit maître Makarov. Waouh, comment les personnages sont-ils? Ça respecte bien le manga. Ah, Luxus, tu es de retour! Bien sûr que. Hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a été examiné par le maître pour le chaos qu'il a causé durant la fête. Ok, le gros naze! La ferme, vieux plouc! Tu avais des raisons pour faire ça, Luxus. Tu voulais simplement rendre la vie plus forte. Désolé tout le monde. Rubia a laissé filer les elfes. Les elfes, c'est ce type, hein. L'image le plus diabolique de l'histoire. Et dire qu'un mec comme ça a été sur l'île, c'est pas de ta faute, Rubia. C'est impossible de s'en sortir toute seule face à un type comme ça. Ouais, quoi qu'il en soit, on a évité la catastrophe. Oui,
Je suis heureux qu'on ait pu tous s'en sortir. C'est typique. Je pense. Qu'y a-t-il, canard? Lucie? Je n'ai pas pu devenir un S, mais je peux quand même être honnête avec... Kimi tachi no yona sonzai ga boku o tsukuri dashita. Kimi tachi no yona janen ga akumologia o yonda. Tsumari... Et maintenant, cette époque touche à sa fin. Qui lui parle? Personne ne peut l'empêcher. Le monde s'arrête. Ici! Mais... Zelef? C'est bien Zelef que je vois? Est-ce un rêve ou la réalité? Le mage noir légendaire. Mais de quoi parles-tu? Vous allez tous recevoir le châtiment que vous méritez. Ah! Attends! J'ai encore des questions pour toi. Ta première faute a été d'appeler Aknogolia. Et la deuxième? C'est de m'avoir fait oublier l'importance de la vie. Technique spéciale. Repentez-vous. Il a couru. Ordure incapable de rester à votre place, êtes-vous prêt pour les enfers? Il s'est enfui comme un lâche. Es-tu là? Aknologia? Cette sensation? Qu'est-ce qu'il y a? Quel bruit? Cette voix? こんなところで終わらねえ。絶対諦めない。みんなの力を一つにするんだ。ギルドの絆を見せてやろうじゃねえか。
J'ai pensé que c'était la fin, mais je me souviens de pas de la hauteur. Car mes camarades de la guilde étaient là. Grâce à eux, je pensais pouvoir tout surmonter. Au final, malgré l'attaque d'Acnologia, nous avons pu nous en sortir. La première maître Peritel, Mavis Ferminion, a utilisé nos liens pour activer une magie défensive. La sphère des fées est une magie de troisième rang qui protège la guilde contre le mal. Mais il a fallu 7 ans pour me libérer du sceau. De retour à Magnolia, j'ai eu du mal à réaliser que tant de temps avait passé. Ça n'a pas répété depuis la dernière fois. Il s'en est passé des choses en 7 ans, même si entre nous, rien n'a vraiment changé. Ah, la guilde est saisie pour dette. Il paraît que notre quartier général est hypothéqué maintenant. À cause de notre absence, la guilde la plus puissante de Fior est devenue la plus nulle de toutes. Moi! C'est bon, on va bien se marrer. Hein? C'est évident, non? Combien de fois s'est-on amusé à remonter la pente? Ça me file une pêche d'enfer. Oui, tu as raison, ça va être amusant. Oui, mais le problème est plus grave qu'on pensait. Que veux-tu dire? En 7 ans, les autres guildes ont gagné en force. Et c'est vrai pour chacun de leurs membres. En 7 ans, ils ont eu le temps de gagner en expérience. On n'a pas plus le niveau pour suivre aujourd'hui. Ah bon? Donc, la guilde et nous, on doit s'entraîner. Ça me file une pelle d'enfer. Et voilà les amis, c'est terminé ce petit let's play de découverte sur le jeu Fairy Tail qui est sorti, je vous le rappelle, depuis le 30 juillet. Moi, j'ai en tout cas vraiment apprécié retrouver toute la team de Fairy Tail et ses combats stratégiques qui étaient vraiment très sympas. Dès les premiers instants du jeu, on est vraiment plongé dans un combat avec un grand boss de rang S, donc c'est pas rien. Et du coup, je trouvais que le fait que ça soit un jeu stratégique et en même temps un jeu en mode aventure et histoire, c'est vraiment ce côté sympathique qui m'a attiré et qui m'a fait faire ce let's play pour vous. Donc en tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, à liker, à vous abonner et à activer vos cloches de notification pour mon prochain let's play.